S'il est une arme de dissuasion efficace contre les prédateurs, l'ornithorynque utilise avant tout son éperon venimeux pour imposer sa domination aux autres mâles au cours de la saison de reproduction. Cette femelle a, semble-t-il, attiré plus d'un soupirant. Indifférente à leur cours, elle plonge au fond de l'eau à la recherche de nourriture. Pendant qu'elle explore le lit de la rivière, elle a les yeux et les oreilles fermées. Pour naviguer au milieu des sédiments, elle utilise des capteurs sensibles aux pressions et des milliers de minuscules électrorécepteurs logés dans son bec. C'est un sixième sens efficace qui lui permet de détecter les faibles signaux électromagnétiques émis par les crustacés et les autres proies. Une fois qu'elle l'a capturé, elle remonte à la surface pour broyer sa proie entre les plaques cornées de son bec. Les deux mâles saisissent cette occasion et rivalisent pour attirer son attention. La situation est explosive et un combat ne tarde pas à éclater. Victime d'une douloureuse envenimation, le perdant se soumet au mâle plus fort. Le vainqueur peut ainsi commencer à courtiser la femelle.